Bonsoir à tous. Oh, ça va là, le micro, on est bien. Donc, on va lancer notre petit Dino Crisis. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je m'en rappelle plus du tout, je m'en rappelle. Alors, j'ai été revoir un peu les anciennes vidéos que j'ai enregistrées, qu'on a fait en live, pour voir un peu voilà, comment progresser à ce jeu. Donc c'est parti. Non, c'est pas ça. Ça, c'était la dernière fois. Maintenant, c'est ça. Ça a l'air d'aller, c'est parfait. Alors par contre, ah voilà, si je m'en rappelle. Les objets, d'accord, ça c'était pour se soigner, efficace en cas de perte de vie. Ça c'est pour endormir. Mini cadéine, ça aussi je crois, on a des balles grenades. Ça c'est le pistolet, la chevrotine en 15, la chevrotine en 12. Ouais. Et en objet on a une petite clé, carte communicateur, je sais plus, rélévateur d'empreinte, ça va. Voilà. Balle grenade, on va pas prendre de grenadier. Hein. Alors, je vais prendre le fusil. Même si. Alors si je me rappelle bien. Est-ce que c'est par là? Je sais plus. C'est pas du tout par là. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte et on va avoir affaire à des vélociraptors et je vais essayer. C'est ça, je crois qu'on est bon. Voilà. Je vais essayer de. Oh, pue ma tête là. Voilà, on va avoir des petits spats, hein, je sais pas si vous vous en souvenez. Il faut qu'on aille à un hélicoptère, hein, voilà. Pour ramener le docteur Kirk. Alors, il y en a plusieurs, on va essayer de passer sans se faire toucher, ça va être tendu. Allez hop, on court. On va faire tout le tour, évidemment. Ah, il m'a pas vu. Allez. Et voilà. Et je pense à un truc. On va essayer quelque chose. Vite. Est-ce que on pourrait pas. Essayer avec ça. On va essayer. Là, il va arriver direct. Oh, tu peux pas. Ah si, tu passes. On va essayer de se dépêcher. Ouais, il va arriver juste devant. Je suis passé. Putain, il court vite, ces bâtards. Ah, génial. Génial. Absolument génial. On a échappé à. Et là, voilà, on était là en fait. On s'est arrêté ici. J'espère que je vais pas mourir parce que bon, y a pas de safe state. Hein. Donc c'est un peu chiant. Tac, on récupère les balles grenades. Là, tu me dis, s'il donne ça, c'est pas pour rien. Là, il va falloir voilà, passer en dessous. Putain, j'espère que je vais pas avoir à faire ça tout le temps. Encore après je perds, oh, ça va être la catastrophe. Alors j'avais dit comment, comme ça. Ouais mais que celle du bas ça n'ira pas. Dans tous les cas je pourrais pas passer, je pense pas. Salut GM Full, merci beaucoup.
merci pour le like. Merci, il faut de la force. Parce que là, je suis en train de souffrir. C'est clair que je suis en train de souffrir. Ouais, c'est pas en bas. Et si, normalement, c'est bon. C'est bon. Putain, quelle galère. Quelle galère, quelle galère. Alors, il me semble qu'en plus, le prochain boss, c'est un boss de... C'est un boss fils de pute, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai un petit peu renseigné avant. Et en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de place. Vous me faites chier, hein, sérieusement, hein. Total... Machin, attends. Ah non, mix est là. Pareil, les menus, tu vois, ces menus sont différents. Et... Je peux pas. Les balles grenades, j'en ai 4 sur 6. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre les balles grenades qu'il y a là? Je ne suis pas à fond. Passons, passons. You okay, Regina? Where's Gail? I don't know. Haven't heard a word from him. What's he doing? Finally. You know, I had a really bad feeling about this mission. All things considered, it could have been a lot worse. That's odd. Something must have those animals spooked. Ta 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 ta. Alors oui, ça ressemble un peu à Resident Evil, mais il y a quand même pas mal de différences en fait. Partout où j'entends, oh, c'est comme Resident Evil, c'est comme Resident Evil. Alors oui, parce que c'est du Capcom, mais il y a quand même des différences gameplay, menu, tout ça. Sauvegarde. Alors là, faut juste attendre qu'il vienne ouvrir la porte. Il est... Même les caméras, je veux dire, là, je sais pas où il est le T-Rex, hein. Il va arriver devant moi. Ah non, il est derrière. Voilà, vitesse là. On le voit pas, hein. C'est... Ouah. Cours pour ta vie. Et oui, moi, j'appuie sur Dreamcast parce qu'en fait, je suis sur Room Station. Faut qu'il m'ouvre l'autre, hein. Je suis sur Room Station et sur PlayStation, ça déconne un petit peu le... Émulation. Oh, oh non, non, il est super rapide. Et il est sur Abandonware aussi. Tu peux l'avoir en version automatique sur Abandonware. Mes versions. Wow, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Mais en anglais. Je vais mourir. Je vais mourir. En fait, c'est de la couille, hein. Il faut quand même... Putain, j'en ai qu'une. Ah, attendez, parce que là, ils disent que... Ils disaient qu'il faut juste attendre, mais apparemment non, hein. Ah,
Oh non, c'est vraiment... En fait, voilà, il est plus dur. Je le trouve plus chiant que les Resident. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude des Resident. Recharge bien longtemps, hein. Tu prends bien ton temps pour recharger. C'est pas comme si t'avais un T-Rex à côté de toi. Ça dit. Ça y est. Ça met bien du temps, histoire que tu sois bien obligé de te bouffer une... Non, mais c'est insupportable, en fait. Il est 10 fois plus rapide que toi. Allez, vas-y, passe. Waouh. Ouais, j'ai fait me faire tailler un short, effectivement. Elevator shot. We'll have to find another way. Alors même même pour la vie, en fait, on sait pas où on en est dans la vie. On n'a pas de... Quand on va dans le menu, on n'a rien qui indique ta santé. Il y a plein de trucs comme ça qui font que les plans, c'est pareil. On te dit nulle part où tu es sur la carte. En fait, je sais que là, je sais que je suis dans le couloir, en fait, mais je sais pas où dans le couloir. Enfin, si tu vois, il y a plein de détails comme ça qui font que il est plus dur et plus chiant que Resident Evil. Bah maintenant, oui, PS3, ouais, tout doucement, hein, quand même, hein. Skyrim, c'est 2006, hein, donc... Non, et par là... Donc ouais, tout doucement, ça commence, hein. Bah, dans un de mes podcasts audio, j'avais mis Oblivion. Voilà, c'est Xbox 360, mais voilà, j'avais mis Oblivion comme musique. Parce que ça commence à vieillir, tout ça, hein. Ah bah d'accord, bah donc t'es comme moi. En fait, j'avais testé le jeu, j'avais mis 100% culte parce que c'est quand même un jeu culte, il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Et là, mon pote m'a dit vas-y fais-le. Et j'ai commencé et je suis choqué, enfin je suis pas choqué, mais je suis surpris par beaucoup de choses dans le jeu. Oh putain, je me trompe de touche. Là par exemple pour... Oh putain! Pour avancer dans le jeu, il y en a encore un. Donc il faut cette carte là, ok. Carte qui donne... cette carte est la seule accès... Attends, putain, j'arrive plus à lire. Cette carte est la seule qui donne accès à tous les étages, ok. Très bien. Puis elle est pas rapide en plus. Notre Regina là, elle est pas rapide, du coup le dinosaure à côté... Voilà, ramasser anesthésiste, oui. Augmentation de l'efficacité anesthésiante. Ok, très bien. Et... Il y a un endroit, il y a une note à lire. Voilà. Le mort a laissé une note. Si on ne lit pas cette note, on ne peut pas progresser. Et ça, je trouve ça... Quel rapport, quoi. C'est-à-dire que si... On va... voir notre pote qui est dans un ascenseur, il n'arrivera pas à le réparer tant qu'on n'a pas lu la note. Je trouve ça bizarre comme objet nécessaire pour avancer, quoi.
Mais d'où sont sortis ces monstres? J'ai bien réussi à m'échapper, mais je reste coincé au sous-sol. Ma seule issue, c'est le port au niveau B3. Il devrait y avoir un bateau à prendre, ou un véhicule de transport de matériaux. Encore faut-il arriver là-bas vivant. Donc là maintenant, il va falloir qu'on se dirige vers le port du niveau B3. Parce qu'on n'a plus d'hélicoptère à prendre le bateau. Mais c'est indiqué nulle part qu'il faut aller voir ce document. Je me suis un peu renseigné avant parce qu'en fait j'ai pas envie de trop tourner en rond donc... Putain. J'espère que je suis pas en train de trop bouffer mes munitions qu'après je serai coincé. Je sais pas pourquoi en Abandonware il est que en anglais. C'est dommage, sinon je l'aurais fait en Abandonware. Hein. Ok, we're here again. Now what? We should be able to get to the underground port from here. Yeah. Then let's do it. Hurry, I'm worried about Gale. Our fearless leader. Fine. Let's move out. T'as vu? Comment déjà les coupures de courant? What's going on? The power went out. Gale, are you on floor B3? Yeah, get the power online now. Gale, it looks like there's a port nearby. There's gotta be a ship we can use. Copy. Leave Kirk to me. You two get the power back online and secure our escape route. Roger. Ah, il est très très chaud. Alors, on parle vraiment, ouais, Ghost and Goblin, on parle vraiment du... Des jeux bien balèzes, hein. C'est celui-ci qui était fait en remake, je crois, hein. Ou c'est celui d'avant? Je sais plus. Allons-y, allons-y. Je peux aller par là ou pas? C'est le tout premier qui était fait un remake et Ghost and Goblin c'est le 2, c'est ça? Je sais plus maintenant. Bah oui, ils étaient terribles. Je l'ai sur Super NES. J'en ai un des deux sur Super NES et ouais, c'est vraiment, vraiment dur. C'est pas par là qu'il faut aller, c'est... Ah d'accord, Ghost and Ghost, c'est le second, d'accord. Et Ghost and Goblin, c'est le tout premier, ok.
Après, l'ambiance du jeu est bien de Dino Crisis, mais voilà, il y a 2-3 petits défauts, je trouve. Alors, on retire la batterie. Il est truffé d'énigmes reloues, en fait. Bon, après, la version Dreamcast est sympa, t'as vu, on a des images un peu plus jolies par rapport à la version PSX. Comme pour les Resident Evil 2 et 3 qui étaient sortis sur Dreamcast. Donc là, normalement, on peut mettre le truc, hein. Ouais. Ah, faut lui donner, ok. Ah oui. Alors je l'ai récupéré la Dreamcast, mais j'ai pas récupéré les jeux que j'avais avant. I'll work on the security system. You handle our escape route. Sky of Arcadia. C'était terrible. Shimyu. Faudrait que je les retrouve. Là pour le moment j'ai que Virtua Fighter 3. Et Sega Rally 2. Sega Rally 2. Bah à l'époque j'en avais plein. Bah j'avais fait le Code Veronica, le tout premier version Dreamcast. J'avais. Là j'en avais pas mal. Hein. Power Stone et tout ça. Oh hé. On va d'abord vérifier qu'il est tout. Ah, mais c'est balle grenade. Vas-y! Juste un truc. J'avais récupéré de l'anesthésie. Ah merde, ah ouais, ouais. C'est pareil, regarde, pour mixer, il faut aller dans mix. À chaque fois je me fais avoir, moi je cherche à aller dans le menu faire lier. Alors à quoi on peut lier ça? Avec rien du tout. On peut lier avec ça pour faire effet tranquillisant, longue durée, voilà. Premier impact. On a fait des trucs que les dinosaures fassent dodo. Alors parfois la Dreamcast peut déconner. Il y a quelqu'un. Parfois la Dreamcast peut déconner. Moi j'ai eu un problème, un peu comme la PlayStation, obligé de la mettre de l'autre sens pour qu'elle fonctionne. Il suffisait simplement de nettoyer la lentille avec un peu d'alcool, c'était fini. Ah, on a des coffrets là, mais il faut les chevilles, je crois que j'ai plus de chevilles. Pour les munitions et pour la pharmacie, pour ouvrir ce coffret, il te faut une cheville. Pas assez de chevilles, ok. Ça n'est pas une mission. Il te faut 3 chevilles. Ok. Ça aussi, les chevilles là, les coffrets, c'est. Ouais, c'est compliqué. Bref, apparemment, elle ne fonctionne pas sur la grue de l'autre étage. Carte grue P. 3-2. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un anesthésiste. Vas-y, fais-toi plaisir. On a le service du personnel, tu veux? Ouais. À l'intention de Alan, c'est la semaine prochaine que le conteneur d'armes quittera le grand arsenal et le port. Il faudrait que tu termines la maintenance de la grue dans la semaine. Je te remettrai la DDK d'accès au port pour finir ce travail. Surtout, ne t'en sépare jamais. Ok. Merci beaucoup, Gemful, bonne nuit à toi, merci d'être passé. Merci beaucoup. Passe une bonne nuit et puis à bientôt hein. Moi, je vais continuer à tuer du dinosaure. B3, ok. On a tous les cartes des grues. Voilà.
I've definitely reached the system's core. These security protocols are brutal. Finally, a challenge worthy of my talents. Okay. C'est comment, j'aurais bien voulu avoir les chevilles. Oh oui, complètement que je veux sauvegarder. Enfin, 3h40 de jeu. Donc là, on doit avoir la grue là, quelque part. Ouais. Attends. Ça me fait rire les trucs là. C'est le symbole un peu. C'est le symbole nucléaire. Sur le coup, je crois que c'était le symbole Umbrella. Ta-da-da-da-dam. S'il n'y a pas un monstre, un lézard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas sur quoi faut appuyer. Oh putain, non. C'est un nouveau dinosaure. Ah, il est mort. Putain. Pas de place pour... Va te faire foutre. Ah, j'en ai marre, putain. J'ai de quoi me soigner, là, je peux pas le prendre. Oh, il y en a deux. Il y en a bien deux. C'est ça que la musique ne s'éteignait pas. Eh ben, c'était un combat. Ou la main. J'ai plein de maxi machin là, mais... C'est emmerdant d'être complet là. Bref, dommage. Ah, je peux passer par là. Wow. Punaise, il y en a des trucs. Le mot zone exécution, ils sont gravés. Ok. Ça, c'est un disque. Putain, combien de grouillards là. Oh là là. Et c'est énorme. C'est niveau 1. Ah ouais, c'est une porte aussi, ça. La vache. Est-ce qu'on peut activer ça? Normalement, oui. Hein. Ah non, comment que ça se fait? Ah oui, non, il faut, d'accord, il faut un ordinateur ou quelque chose. Ah bah dis donc.
C'est classe ici. En fait, j'ai cliqué sur le panneau à côté pour voir ce que c'était. Et là, c'est la grue. Carte de la grue. Alors, c'est quelle carte? C'est celle-là? J'essaye, mais après je vais arrêter, ça me saoule, mais vraiment quoi. Ça, je peux l'attraper. Je suis pas sûr que ça marche. Ah non, il n'y a rien en 3. Je suis con, il n'y a rien en 3. Ah, attendez. Ouais, mais je peux pas la ramener en 1. Non, je me bloque là. Non, c'est pénible. Ouais. Ouais, désolé Nono, mais je crois pas que je vais continuer ce jeu parce que vraiment, c'est pas intéressant. Je suis désolé. Là, je... Même la Solus, vous vous rendez compte que même la Solus que j'ai récupérée, bah, est fausse. Jeuxvideo.com. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Alors, j'ai quand même regardé pour être sûr. Où est les cartes des grues? Où sont les cartes des grues? Pourquoi j'ai pas les cartes des grues dans mon équipement? Pourquoi je peux pas voir où c'est? Putain, C'est fatigant. C'est fatigant. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, c'est... Je me suis 1000 fois plus éclaté avec Mega Man X. Et je me suis plus éclaté avec les Resident Evil. Mais... Sans aucun... Ah ouais, clairement. J'ai quand même sauvegardé, mais... Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah si, je pouvais rester bloqué. Ah ok. Je peux faire le tour. On va quand même regarder une dernière fois. Je suis fatigué, il est 1h20 du mat. Le problème c'est qu'il n'y a pas que ça comme grue, il y en a 3 des grues à faire, et je suis sûr que ça va être pire. C'est vraiment casse-couille. Ah, j'y suis arrivé quand même. Oh putain, ok. Mais dégage. Vraiment, le passage est ouvert. Oh, j'y suis arrivé, Seigneur. Je suis désolé de m'énerver, vraiment, vraiment. Mais...
c'est fatigant. En fait, je dis, il est voilà, 1h26 du mat. J'ai pas envie de me faire chier à réfléchir. Ce jeu cherche à me faire réfléchir. Tout ça pour une carte de merde. Tenir le disque code avec le même symbole et insérer la paire à la porte. Et c'était pas du tout ce qui était marqué sur la soluce en plus. À moins que j'ai mal lu, j'en sais rien parce que... C'est pas très clair. Droite, attraper, gauche, lâcher. Haut, attraper. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Enfin, je sais pas. Je suis fatigué. Je vous en veux pas, javideo.com, c'est moi qui a besoin de sommeil. En tout cas, on y est arrivé. Malgré tout. Et on va sauvegarder. Et pour sauvegarder, il faut sortir de la pièce. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Oh mon dieu. Alors Nono qui regarde la rediff, à mon avis, tu dois être mort de rire à me voir galérer comme ça dans ce jeu. On en a discuté, il me dit mais c'est facile les énigmes. Quand je te vois galérer, non, elles sont pas faciles. Toi, même GM Fool confirme, lui, il a pas accroché au Dino Crisis. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a des gens quand même qui n'ont pas accroché à Dino Crisis pour tout les choses, toutes les choses que je viens de citer. Voilà. Bon, après, on y est arrivé quand même. Alors, il y a peut-être aussi le fait que, voilà, je suis un peu fatigué. En plus, je vous dis, la petite, elle est malade, donc je passe pas des nuits exceptionnellement bien. En dernier, là, ça a l'air d'aller mieux, parce qu'elle se réveille pas rien, donc c'est bien, tant mieux. Donc, ça peut peut-être jouer aussi. Mais voilà, les énigmes sont quand même chiantes. Eh ben, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Désolé pour toutes ces énigmes longues où j'ai traînaillé pour cette perte de temps. Et puis voilà. Et puis il va falloir que je m'entraîne à passer les grues plus correctement. Mais je pense que je vais faire une petite préparation pour la suite pour que ça se passe encore mieux. Encore mieux. Mais là, on a déjà un petit peu avancé. Bon, pas beaucoup, hein. Franchement. Pas de beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche pour être au courant de tout. Vous inquiétez pas, on continuera avec Wing Prophétie, on continuera à tout lire. Peut-être une petite pause. Alors, je sais pas si je ferai la pause sur All These Games ou sur DRJJTube ou peut-être un peu les deux de temps en temps pour avancer dans le film et dans les 10 ans qui sont l'année prochaine où je prépare 2-3 petites choses qui demandent du temps ou que je m'y prends un petit peu à l'avance. Voilà. Les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et Twitter, faudrait que je les mette sur cette chaîne, je les mets pas, faudrait que je les mette la petite barre avec les réseaux sociaux. À bientôt. Bye bye.